blogueur actif au Maroc. Le reportage est signé Karim Atem. Site marchand, mais au Maroc, certains blogs se monétisent. Nous sommes dans les locaux de Bezef, une entreprise unique en son genre, grâce à qui certains blogueurs vont pouvoir gagner de l'argent, et vous allez le voir, de façon assez originale. Pour le ticket d'opération Casablanca des blogueurs, c'est bon ? On a mis le jeu en ligne ou pas ? Donc on a créé l'onglet de... L'onglet pour le jeu, c'est bon ? Alors on gratte ? Qu'est-ce que ça donne ? Ah bah super. Donc ça y est, ça commence à diffuser sur les blogs, il n'y a pas de problème. Bezef, c'est très simple, c'est une plateforme de mise en relation entre les annonceurs et les blogueurs. L'idée, c'est qu'il y a de plus en plus de blogueurs au Maroc. Ils ont de plus en plus de gens qui les visitent, ils parlent de sujets, ils écrivent, ils donnent leur avis sur pas mal de choses. Et on s'est dit que c'était dommage de ne pas les mettre en relation avec les marques directement. Donc on a créé cette plateforme qui s'appelle Bezef, qui en gros donne la possibilité aux marques de demander aux blogueurs de donner leur avis sur leurs produits. Rédiger un article sur un produit ou encore afficher le jeu concours d'une marque avec un seul but, faire du buzz. Ici, on a un blog du We Dad News. C'est un de nos blogueurs qui est inscrit sur la plateforme. En gros, ils donnent les résultats de tout le club du WAC, que ce soit le football, basketball, handball. Et l'idée, c'est que tous ces gens qui mettent de l'info au quotidien, ils ont forcément à un moment donné besoin de gagner de l'argent. Donc nous, notre métier, c'est de faire en sorte d'amener les annonceurs d'une façon décalée sur leur support. En l'occurrence, là, pour une vidéo, on fait le lancement du film Opération Casablanca. Donc à chaque fois qu'un internaute va passer la souris sur le player qu'ils ont intégré directement sur leur site, ils vont être rémunérés pour ça et ils vont toucher X% de ce qu'on gagne, en gros 22 centimes de dirham. Une véritable manne pour les annonceurs qui, grâce à leur présence sur les blogs et les réseaux sociaux, vont créer une véritable interaction avec leurs clients potentiels. L'essentiel, c'est que vous vous trouvez en tant que marque, en tant que fabricant, en direct avec quelqu'un qui vous dit ce qu'il pense de son produit. Ça, dans la pub, c'est le sacré Graal. C'est vraiment par opposition aux autres médias classiques où on lance une bouteille à la mer, on espère qu'elle va être vue. Là, vous êtes en direct, non seulement vous êtes vu, mais il y a un vrai dialogue. L'avantage pour un blogueur, c'est qu'aujourd'hui, il n'a aucun moyen de monétiser son blog et gagner un petit peu d'argent avec les heures qu'il passe le soir après le travail ou après l'école à aller bloguer. Donc nous, en gros, on essaye de lui apporter une rémunération et de faire en sorte de partager et de convaincre les marques que ces gens-là sont des influenceurs et peuvent aider la communauté à connaître les nouveaux produits. Et donc, à partir de là, on leur crée une source de revenus qui n'existait pas auparavant. Simple passe-temps, tribune politique ou encore générateur de revenus, les blogs sont aujourd'hui partout. Partisans ou faiseurs d'opinion, ils reflètent une parole plus libérée et moins institutionnelle. Avec ses codes et son langage, sa réactivité, son influence, mais aussi son potentiel commercial, le blogging deviendra-t-il un cinquième pouvoir ? Une chose est sûre, la Blogoma, elle, continuera de grandir. Il compte à chaque bouchée, il calcule chaque calorie, chaque glucide ingurgité.